vélo les orques. Comment ça va ce matin? Hey Thaos, bonjour maman. T'attends papa dans la voiture? Café, j'ai pas pensé. Ah, le petit thermos avec le café, ça aurait été bien. Hein.
pas grand chose à raconter. Un week-end un peu crevant. Pas très reposant, donc. Non, bien sûr que non. Tu crois vraiment que j'ai une femme qui me fait un petit massage parce que j'ai mal au dos? Ouais non, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Je peux soit m'apitoyer sur mon sort ou soit accepter et continuer d'avancer. Pas mal, j'ai le droit à un petit coup de main pour trier les pierres, c'est déjà bien. Ça va pas durer très longtemps, mais. Là, faut que j'aille mardi récupérer, enfin commander le drain à point P parce que les cinq dimanches que j'ai passé à faire les joints tout seul n'ont pas suffi apparemment pour commander le drain directement, donc faut que je me débrouille. Je sens que le truc et de moins en moins, on fait le cottage et de plus en plus, je me démerde. Mais bon, c'est un feeling. Je ne sais pas si c'est vraiment ça.
sais pas, merde, c'est pour elle, quoi. Je la sens pas très investie. Moi, je voulais faire l'extension de mon atelier. Ouais. Pour l'instant, je galère un peu avec ce coin là. J'arrive pas à faire ce que je voulais faire, mais. Cette flamme est un peu haute.
pas que j'oublie mon feu, moi. Je vais aller remettre un peu de bois là-bas. Ok, on est bon pour un bon 45 minutes. Alors ça craque, c'est normal, hein. Si ça craque, c'est que t'entends le bruit du feu. Ouais, parce que c'est pas vraiment celui de mon poil. Mais comme j'aime bien le bruit quand même, je le rajoute. Coucou ici, je pose un lurk. Ça roule. Thank you.
Salut Manu! Comment qu'est-ce que ça va ce matin? Ouais, c'est bon. Ce matin, ça va. J'ai pas couché trop tard, j'ai pu dormir un peu. Des fois, c'est tout ce qu'on a besoin. Dormir un peu. Bon bah écoute, il n'y a plus qu'à faire le chaudron et j'ai fini avec ce coin. Ce coin m'a l'air assez chaud comme ça. Ce qui est rigolo, c'est que alors, j'ai eu une coupure d'internet, du coup je n'ai pas entendu ta réponse. Comment vas-tu? Tu as récupéré? Pas trop douleur. Non, ça va, j'ai bien récupéré, j'ai bien dormi. C'est tout ce que j'avais besoin, je disais. Un boulot de merde, mais faut le faire.
Faut le faire pour savoir combien on a besoin de cailloux pour le hérisson ventilé qu'on va faire. On a sorti pas mal de trucs, mais il y a énormément de faux cailloux. C'est plutôt des gros amas de je sais pas quoi. Un truc un peu calcaire. Qui casse dès que tu tapes dessus. C'est quoi que tu veux faire? C'est un hérisson ventilé si tu parles du. Tu parles de la petite maison. Un hérisson ventilé, donc l'idée c'est de sortir au moins 40 cm, 45 cm de surface au sol en profondeur. Ensuite tu mets un drain, donc en gros c'est un tuyau avec un petit voile dessus, c'est un tuyau percé en fait. Tu as plein de trous dedans et tu as un voile autour du drain pour pas que il y a des trucs qui rentrent dedans. Et tu mets ça contre les amas que tu as laissé au pied du mur, parce que comme c'est un bâti ancien, il n'y a pas de fondation en fait, donc les murs sont directement posés sur le sol, donc ça faut pas toucher. Donc tu mets ton drain par terre, et après là-dessus tu mets des gros cailloux, enfin au sol tu mets des gros cailloux en sorte qu'ils ne touchent presque pas le sol. Donc en gros, si tu as un côté qui est un peu pointu, c'est celui-là que tu vas mettre contre le sol et tu les mets tous les uns contre les autres, comme ça. Et après, tu vas mettre des cailloux moyens entre ces cailloux-là. Et après, tu vas mettre des petits cailloux. Et tu finis... alors tu peux mettre un petit voile exprès, là. Et puis tu finis avec du sable. Tu tasses bien. Et après là-dessus tu peux mettre ta chape. Donc on va faire une chape béton chanvre. Ce qui permet à la chape de respirer un peu grâce au chanvre. Et en fait ce qui se passe comme ça c'est que quand t'as l'eau qui. Quand il pleut beaucoup et l'eau remonte, et ben en fait ça remonte pas en fait. Ça reste en surface et comme le drain est là, parce que le drain sort du mur en fait, des deux côtés de la maison, donc il y a un courant d'air là-dedans. Il y a un courant d'air dans le tuyau, et donc du coup, en dessous de ta chape, il y a l'air qui circule. L'air circule, et donc du coup, l'eau sèche entre les cailloux. Et du coup, ça permet que l'eau remonte pas, la capillarité remonte pas, et en plus, ça permet à tes murs de se vider en fait. Parce que comme du coup l'eau remonte pas, l'eau va redescendre. Donc l'eau des murs redescend, et tu te retrouves avec des murs plus sains. Donc voilà, tout ce bazar pour ça. Ce qui est pas mal du tout vu le... Ça ventile exactement. Ce qui est pas mal du tout vu le temps qu'on a. Ce qu'il faudra que je fasse aussi, c'est que j'en fasse... que je fasse la même chose, mais devant la maison, à l'extérieur. Voire même devant la porte, avec la petite grille qui va bien pour que l'eau coule directement dans le tuyau qui va... comment ? Qui emmène l'eau de pluie ailleurs, quoi. Parce que vu comment est le terrain, l'eau a tendance à descendre vers la petite maison. Et c'est pour ça que c'est souvent inondé là-dedans. Enfin inondé. C'est trempé à cause de ça quoi. Donc là on trie les cailloux pour avoir vraiment que des cailloux. Et après on commandera les cailloux qui manquent. Et le drain. Et donc voilà. Mardi il faut que j'aille à Point P pour commander le drain. Ah, tu as un récupérateur? Bah, disons qu'il y a un endroit où l'eau fluviale est distribuée, repart quoi. Donc,
Il faudra que je branche ce tuyau au à la sortie de l'eau fluviale quoi. Mais des récupérateurs d'eau, il faut qu'on en achète aussi. Hein. Ça fait depuis qu'on est là qu'on dit qu'il faut qu'on rachète, faut qu'on achète des récupérateurs d'eau. Faut que je mette un. Faut que je mette aussi. Comment ? Parce que pour l'instant, il n'y a même pas de gouttière hein, à ce côté. Donc l'eau tombe directement par terre. Donc on va mettre des jolies gouttières aussi. Je vous laisse, papa a fini, on va se faire payer un petit café chez ton frère. Ok, gros bisous, bonne journée et à tout le monde. Bah, bonne journée à toi, bisous à Jean-Guillaume et Aurélie. J'espérais avoir déjà le drain, mais Aurore a pas été décidé de le commander. Pourtant, quand j'ai commencé à faire les joints, j'ai dit, bah là, de toute façon, on peut pas trop bosser tous dans la cottage, donc pendant que je fais ça, ce serait bien d'acheter ce qu'on a besoin ensuite, quoi, le drain. Voilà, j'ai pris 5 dimanches, mais on n'a pas de drain, donc là... heureusement, il y a les pierres à trier, sinon ben, je pourrais pas bosser dans le cottage. Donc moi, je veux bien qu'on bosse tous les dimanches dedans, mais si on ne me donne pas ce qu'il faut pour que je puisse bosser dedans... Donc là, il faut que j'aille moi-même à Point P maintenant, commander mon drain. Ça va pas le faire. Ben, disons que le problème c'est que là il commence à le temps se refroidit, il commence à pleuvoir, donc madame est de moins en moins motivée pour venir m'aider bien sûr. Et moi si je m'arrête, on pourra pas reprendre avant. Enfin ça reprendra pas avant le printemps quoi, donc ça va pas cette histoire. Moi je me connais, après je passe à autre chose. Donc là moi je suis programmé pour tous les dimanches bosser dedans. Tout madame s'imagine pouvoir s'installer pour 2025. Ouais, bah oui, moi c'est pareil. Donc là, hier, pour pouvoir trier et débarrasser ces pierres de merde, là, il a fallu que je débarrasse un coin derrière la maison où j'avais mis de la terre, enfin c'était même pas de la terre, c'était une espèce de sable calcaireux là, ou je sais pas quoi, qu'on avait sorti du cottage aussi. Donc quand je l'avais foutu derrière la maison, parce qu'il y a un petit peu de place qui ne sert pas. Et puis en fin de compte, je me suis dit, là, les poules sont en train de patauger dans le patauger dans la boue. Et apparemment, c'est pas très bon quand même pour les pattes. Donc du coup, j'ai transféré tout ce sable
ou je ne sais quoi dans le poulailler pour que les poules soient et les pâtes au sec. Donc déjà ça m'a pris la matinée et ça m'a bien niqué le dos, parce que ça a fait quelques pelletés à balancer pour avoir la place, balancer le reste. Ah non, mais je te jure, de toute façon dans cette baraque on peut pas faire un truc tout de suite. Dès que tu veux faire un truc, bah faut d'abord faire un truc pour pouvoir faire le truc, et pour pouvoir faire ce truc là du coup faut sûrement faire un truc aussi. Bah déjà là elle prend des moins, hein. C'est sûr. Donc là elles ont un peu plus les pieds au sec et elles s'en porteront pas plus mal. Elles sont des perchoirs. Dehors, il n'y a pas grand chose. Dedans, oui. Parce que leur poulailler, enfin leur coin est en deux parties. T'as une partie qui est dans les dépendances, où il y a un espace à l'intérieur. Et puis leur hôtel. Et ils ont une partie dehors aussi, bien sûr. Et dehors, il n'y a rien à part juste sortir un peu, c'est tout ce qu'ils peuvent faire en fait. Faudrait que je leur mette des trucs dehors aussi, peut-être. C'est plutôt à l'intérieur qu'ils ont des perchoirs. Avec qui dit le broyer. Ouais, ça je sais, ouais. J'en avais déjà mis, puis j'achète des graines exprès, et dedans il y a déjà des trucs exprès pour les coquilles. Ok, est-ce que ce coin est assez chaud? Il m'a l'air chaud comme coin, non? C'est chaud. Ok. Oui, le marron. L'ami qui possède un marron, merci. Marche pas bien, lui? Pourquoi il marche pas bien? Parce que j'en ai besoin? Sérieux? Ça marche pas, ça m'énerve.
comme les bougies aussi, très bien. Je peux toujours essayer, hein. Je me dis, hey, ça fait pas grand chose, hein. Bah oui, il n'y a pas d'encre qui sort, évidemment, ça fait pas grand chose. Ah, mais je suis pas aidé avec mes stylos. Hein. Bref. Ah ben c'est sûr, ça va marquer beaucoup moins bien. Ah ben c'est sûr. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Un piéton. Alors, on veut des volutes de fumée orange. Heureux. Ça te dira que je change de sujet. Tu changes de sujet, c'est-à-dire. Ça te dira. Ça te dira pas de changer de sujet. Ah, pardon. Tu veux dire que tu veux que je change de sujet pour 20 minutes? Pourquoi pas? J'ai fini ce coin. Bim! Ah, on va revoir notre petit Goku. Bien, bien. T'as 20 minutes devant toi? Yata! Ok, ça tombe bien, j'ai fini le coin. Très bien. Eh bien, écoute, je vais aller chercher ça tout de suite. Ça faisait longtemps. Alors, où est-il le petit Goku? Il est là, le petit Goku! Hop là! Oup là! D'ailleurs, je me suis rendu compte que mes elfes étaient là aussi. Je te rappelle l'autre jour chercher mes elfes. Je sais plus à qui. Hop là. Là. Je les ai retrouvés. J'ai même retrouvé cette bestiole. Que je vais peut-être mettre dans mes pour le Patreon. La bestiole est dégueulasse. Je veux un truc un peu à la genre Stranger Thing. Ok, bref, on n'est pas là pour ça. Ils sont dans une pochette, regarde. Je peux pas les mettre dans un classeur avec une pochette parce qu'ils sont, s'ils font 22 sur, non, ils font 23 sur 32 ou je sais pas quoi. Alors, avant de commencer mon chrono, est-ce que je continue à travailler sur les cheveux? Je pense que oui.
Parce que 20 minutes, ça passe vite, donc il faut planifier le show, les choses. Hein. Là. Hop. Bon, on est parti. Où est mon stylo? Je voudrais un stylo dans la, s'il vous plaît. Où est-ce qu'Alduin a été me mettre ça? Et c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Non. Il est quelle heure? 37. Bon, on va dire allez, 40. 40. 50. Ok, jusqu'à 11h, allez-y. J'arrondis, hein. Mets 3 minutes en plus parce que je sais qu'il va falloir que je mette du bois dans mon feu. Alors on va déjà faire un aplat. Sacré coiffure le gars quand même. Hein. Les oreilles, coiffer la dynamite. Je me rappelle plus ce qu'on avait dit, on va mettre un background ou pas? Est-ce qu'on va mettre un fond là-dessus? Bon, ça risque de rallonger le temps de production
considérablement, mais... Non, pas de fond. Non, ouais, ouais. J'ai pas besoin. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Bah après, c'est vrai qu'il prend pas mal de place, donc... C'est peut-être moins long que... la plupart de mes fonds, puis ça dépend ce qu'on fait comme fond. Aussi. Oh là, attends, faut que j'aille mettre du bois dans mon feu avant qu'il crève. D'où les 3 minutes en plus. Je reviens tout de suite. Bouge pas. Ça va, tu gagnes au change. Alors, donc, je vais mettre du verre. Là-dessus, comment il pense.
C'est bien, j'ai du bois sur les cheveux, puis en fin de compte, je suis reparti sur la peau. Dans la peau, c'est vraiment le truc, j'aimerais bien... Je pense que ça va être un petit peu ça, le wow factor du truc. La peau sera vraiment réussie. De clignoter. C'est crevant. Bon alors Marie, ma lumière arrive de là. Bon, de toute façon on pourra foncer encore un peu de ce côté. Mais je pense que je ferai ça quand j'aurai un marron digne de confiance. Parce que celui-là... Celui-là n'a pas envie de travailler. Continuer les cheveux plutôt. En gros, je suis en train de faire ce que tu fais avec tes figurines, quoi. Je prends un modèle et je le convertis, enfin je le repeins. Sauf que là, je le redessine. Ben en fait c'est ça, le problème c'est que plus j'y mets le paquet en termes de texture et de couleur et des trucs hyper réalistes comme j'ai envie de le faire, et plus ça va prendre du temps, ouais.
Donc à chaque fois, j'en remets un petit peu, histoire de dire... histoire que t'aies pas l'impression que je te gratte un peu, mais... Malheureusement, de toute façon, ce genre de choses prend du temps, vous le savez, parce que... On m'a regardé travailler assez longtemps. J'aimerais bien que... Il a l'air tellement réaliste qu'on dirait presque une figurine qui a été peinte de manière réaliste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tellement que les volumes et les ombres et les lumières sont spot on. Spot on! C'est ce que j'aimerais faire. Après, l'avantage c'est que ça te coûte que du temps quoi. Donc après, je peux faire comme les applications en ligne, hein, les jeux, le machin, 20 minutes, c'est 20 euros pour une heure. Mais bon, c'est pas le but, c'est pas l'idée, je pense pas. Mais je sais que c'est arrivé avec... C'était avec qui que c'était arrivé? Comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus, merde. Il m'avait commandé au départ son Ex Libris. Ça devait être une commande comme ça, là. Et en fin de compte, il n'a pas eu envie d'attendre, donc il a commandé carrément le dessin pour avoir le dessin tout de suite. Mais au départ, c'était parti. Comme ça, avec une commande avec les points de chaîne. Oui, j'aime bien. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui faisaient ça aussi. Je pense pas que ça soit une idée originale, mais je trouve ça normal, moi. Après, bon, t'as toujours des petits malins qui viennent sans rien dire, hein, juste pour farmer des points. C'est un peu dommage, mais... parce que bon, au départ, moi, j'avais fait ça pour remercier ceux qui viennent papoter, quoi. Bon, je sais que tu farmes un peu, mais tu viens papoter quand même, donc. Mais
y en a qui viennent mais qui disent rien. Voire même ils sont en train de regarder une autre. Je sais pas comment. Est-ce que si tu regardes deux chaînes en même temps, tu cumules les deux côtés? Avec mon système de points, tu pourrais n'en donner qu'à ceux qui discutent. Ouais, tu cumules les deux côtés, d'accord. Donc là, genre tu mets mon stream en route et tu te barres faire autre chose, tu cumules. Ah, there is the fraud. Et donc toi, t'as un autre système? Bon, enfin, tu mets le son à deux, puis c'est bon, hein. J'imagine. Pas normal, donc celui qui ne participe pas a autant de points que celui qui participe. Bah ouais, malheureusement, et je sais pas trop comment faire autrement. Parce que l'idée c'est quand même de participer, c'est d'être récompensé de participer, donc... Ouais, t'as toujours des gens qui en profitent, hein. Tu regardes, par exemple... Je donne un exemple comme ça. Mais Coursia qui ne participe pas beaucoup aux conversations a quand même réussi à accumuler 20 000 pour me commander sa carte. En tout cas, le croquis de sa carte. Et quand même, il faut être là quelques heures pour avoir 20 000. Hein, donc. Avec Wizbot, c'est d'autres points. Mais tu peux dire au bot de ne pas enfiler à ceux qui sont AFK. Avec mon système, tu peux donner des points pour chaque message posté aussi, par exemple. Ah ouais, comme si c'est parti de temps en temps. Tu as des lots de 6 points de chaîne et là, tu dois cliquer pour les avoir. Elle a reconnu qu'elle veut participer comme vous. Coursia, c'est un mec. Ouais, donc du coup, va falloir que je... Ouais, je me connais. Je me connais, ça va encore être... Ah oui, il faudrait que je fasse ça. En plus, c'est le bordel parce qu'il y a ceux qui ont déjà des points en route. Si je commence à changer le système, ça fout de la merde. Il fallait que je fasse ça dès le début, quoi. Ou alors que je spécifie que pour que ça soit validé, il faut que tu aies au moins... faut que tu participes à aux discussions, je sais pas. Ah ouais,
Ouais, mais non, moi je. Je paye pas. Tu reçois de l'argent sur Twitch. 11h, c'est passé. Ah oui, merde. Attends, je finis cette mèche. Est-ce que je reçois de l'argent sur Twitch? Oui, tu reçois de l'argent, mais c'est des clopinettes. Hein. Tu reçois de l'argent avec les abonnés. Quand tu es abonné à la chaîne. Mais Twitch te paye seulement quand il atteint 100$, donc il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent. Alors que Patreon, par exemple, ça tombe tous les mois. Salut, salut! Je vais revenir à ton dessin, t'inquiète. On a fait une petite aparté pour Riku parce qu'il avait ses 20 000 points de chaîne. Et sur ma chaîne, tu le sais peut-être pas, mais tu peux te payer, tu peux te commander un dessin avec les points de chaîne. Justement, on était en train d'en parler pour récompenser ceux qui sont là souvent et qui participent. Est-ce que le stream ne soit pas trop mort? Parce que si ce serait que moi, je parlerais pas du tout. Oui, le mieux pour moi, c'est Patreon. Mais... Après, c'est sûr que je préférais un truc français. Mais comme je suis sur l'international et que Patreon, c'est connu, je suis resté sur Patreon. Donc ouais, sur Twitch, à part récupérer quelques emojis et le fameux croc qui est à côté de ton nom, y a pas grand intérêt quoi. En tout cas pour moi. Même si j'apprécie énormément ceux qui sont abonnés. Ça fait plaisir de voir qu'ils s'investissent pour mon travail. Mais bon, je le dis depuis le début. Hein. Twitch, je suis pas là pour me faire de la thune. Twitch, je suis là pour travailler. Et pour pas travailler tout seul. Et encore viendra un temps où je pourrai même pas travailler en live parce que ce sera des illustrations qu'il faut garder. Qu'il faut garder secrètes. Stop, le Goku. Ouais, c'est bon. Je finis la mèche. Non mais c'est lui qui va me gueuler dessus pour que j'arrête maintenant. Tu rigoles quoi? C'est un gag? Ok, bon, on a quand même avancé là. On va le remettre dans sa pochette hein, puisque c'est ça.
Hop. Voilà. Le petit coucou retourne là. On se revoit dans 20 000 points. Bye bye. Et on revient sur la sorcière rouge. Ok, donc on a fini ce coin, je pense. Peut-être même rajouter un peu de jaune. On a un coin chou comme la braise. Tu attendais que je sois présent pour continuer? Ouais, on va dire ça, hein. Si tu veux. Ok, donc, alors... Ah bah bravo. On va lui faire un grimoire rouge, bien sûr. Non, t'inquiète, hein, 20 minutes, c'est pas grand-chose, hein, dans un... C'est pour ça que je dis aux gens, en général, attendez pas non plus à Saint-Glinglin, parce que je préfère bosser 20 minutes par-ci, par-là. Ça ralentit pas trop le... Ça ralentit pas le truc. Parce que si... sinon, bah, après, il faut carrément planifier un stream exprès, quoi. Après, il y a des gens comme Stig qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Donc du coup, ça s'accumule. Jusqu'à 3h du mat pour finaliser le 9, la toute et dernière, non, la toute est terminée et il n'y a plus qu'à le déposer en janvier. Ah bah bon, c'est bien. Et bah c'est bien. L'espace qui est derrière, c'est beaucoup plus grand à illuminer, donc... Et là, son petit coin.
son petit coin où elle fait ses petites potions, ses enchantements. Aigle de feu, non, tu m'as pas dit, non? Mais c'est bien, peut-être que je peux faire un petit clin d'œil à cet aspect de la sorcière d'une manière ou d'une autre. Un aigle de feu, on dirait presque un phénix du coup. Bon, j'ai vu que Alexandre Astier avait un petit Instagram aussi, hein, donc comme il y a moyen de contacter les gens sur Instagram aussi, du coup j'ai renvoyé un petit message sur Insta, puisque comme il a toujours pas vu celui que j'ai envoyé sur Facebook. Il n'a pas vu le message. Que ce soit sur Insta ou sur Facebook, on voit quand les gens voient le message. C'est marqué message vu, etc. Il a vu ni l'un ni l'autre pour l'instant. Donc, on va avoir de retour. À mon avis, il y a tellement de messages. Il reçoit tellement de messages que je ne sais même pas s'il les lit en fait. C'est pour ça que je vais faire une petite planche
Je vais faire une petite planche pour montrer ce que je peux faire, pour me présenter, etc. J'avais fait déjà ça, j'avais 27 ans à l'époque, pour une BD, et je pense que je vais le refaire. Le seul truc, c'est qu'il faut que je trouve une adresse... faut que je trouve une adresse sûre, quoi. Où il va le recevoir le courrier, quoi. Agent ou j'en sais rien, mais il faudrait que l'adresse soit sûre si je dois lui envoyer le truc, quoi. Alors donc Rocky Rock Rock. Des bougies là. Ouais, je vais mettre des bougies là. Ouais, ça commence à être chaud. Chaud, chaud, chaud. Un peu plus grosse quand même.
Voilà, on va en mettre aussi ici. On va en mettre là. J'aurais aimé voir la tête quand tu as reçu ton colis. Pourquoi ? Bon, je m'attendais pas à autant de bouquins, mais c'est sûr. D'ailleurs, je te remercie pour les autres histoires. Ce qui m'épate, c'est que le gars était passé la veille apparemment, mais moi j'étais là la veille, et il n'a pas sonné à ma porte. Donc il s'est pas trop emmerdé, il a mis le papier dans la boîte aux lettres. Bon, j'avais même pas vu qu'il avait mis le papier dans la boîte aux lettres, parce que j'ai pas été voir ma boîte aux lettres. Mais bon, il est repassé le lendemain, heureusement. Alors, il me faudrait un rouge un peu plus vif. Merci bien. Allez, on se réveille. Merci. Excusez-moi. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le gars de la fibre va se pointer dans un quart d'heure. Et donc, quand il aura fini, j'aurai la fibre et donc un accès internet un peu plus rapide. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des grandes chances que cet après-midi, je stream pas du coup. Ouais, mais ils vont bosser tout l'après-midi, je pense, donc... Parce que c'est pas juste se raccorder, hein, il va falloir faire des trous dans les murs et amener la fibre jusqu'à la prise. Ça, j'appréhende un peu. Apparemment,
Le gars qui est passé chez mes parents, c'était pas une flèche. C'est mon père qui a fait des trous, pour te dire. Donc, si, je vais y aller aussi. Donc, du coup, cet après-midi, je vais pas pouvoir travailler, je pense. Donc, ben, que je sois crevé ou pas, ce soir, je tâcherai de revenir après le... après mon entraînement d'escrime pour continuer ce dessin. Donc là, je vais aller créer, je vais... Ben, de toute façon, il est 11h30, donc... Dommage, ouais, carrément. Il devait venir entre, entre 17h et 21h, tu vois. Puis comme ils sont dans le coin, et ben ils vont passer avant. Alors quelque part, ça m'arrange un peu, parce que comme ça, pendant mon atelier, je serais sûr que ils auront terminé. Mais du coup, ben, je me prends un stream dans les dents. Heureusement, j'ai des crocs bien... C'est cool la fibre. Bah oui, c'est sûr que ça doit sûrement aller beaucoup plus vite que ce que j'ai. Pourtant j'ai la 4G, mais j'ai encore des moments où je scroll sur mon Facebook et ça charge. T'es là, mais putain. Ben moi, de toute façon, j'ai bientôt fini. Les gars vont se pointer, donc je vais m'arrêter là. J'aurais pas fait grand chose, mais bon. C'est quand même bien. Je suis content d'avoir fait ce coin-là, parce que la dernière fois, j'étais fatigué et j'arrivais pas à me dépêtrer de ce coin. Là, maintenant, j'en suis content, donc c'est très bien. On va tâcher d'avancer ce soir. Elle pète un peu trop cette chauve-souris là, pour le coup on la voit trop pour l'instant. Ça, bon, faut bien qu'on la voit. Ok, bon bah 11h30, donc moi je vous dis à bientôt ce soir, à ce soir, quoi qu'il en soit. Je vais tâcher de venir ce soir. Même si je fais pas grand chose, je ferai quand même. Si je pourrais faire ça et puis commencer un petit peu ce coin-là, ce serait bien. Parce que je voudrais pas non plus que ce dessin traîne trop en longueur. Même si le prochain est prévu pour décembre, donc du coup j'aurai un peu de temps pour faire autre chose. Pour faire la BD pour Alexandre Astier par exemple. Donc à ce soir, bonne fin d'après-midi, bon appétit. Et ce soir sûr, je me force. Même si je fais avec un seul œil, comme ça, hein, je vais bien quand même. Donc, à ce soir, bon appétit et bon après-midi. Allez, salut. Merci d'être passé.